futur champion en approche. Bonjour Lucan, tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Réveillez-vous. Ce n'est pas le moment de se... Stupéfix. Incendio. J'ai perdu mon pari. Ventringo. Stupéfix. Incendio. Vaut mieux que ça. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Action. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi! Oui, je suis vraiment très fier de moi. Et nous sommes ravis d'avoir un champion aussi modeste. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé.
Salut, c'est moi, Garrett. Vous là, oui, vous. Je me demandais si vous pourriez... Vous vouliez me voir, monsieur ? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Attendez, comment savez-vous pour le livre ? Et aussi qu'il manque des pages ? Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palot et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurai gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Je vous demande pardon. Un roast beef ? Un roast beef avarié ? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi ? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. Trésor, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouiller la poire ? Oui, sur la peinture. Je vous attends. J'imagine déjà les délicats fumés du roast beef avarié. Dans la cuisine ? Mais pourquoi ? Il devait avoir faim, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent quand ils sont en pleine croissance. Réveillon ! Ça facilite certainement la tâche, la Rocky. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Ça sent très bon ici. Voilà du roast beef, mais il n'est pas avarié. Je dois continuer de chercher. Thank you.
Oh, quelle odeur répugnante. Je ne peux pas être loin. Oh, un élève! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien. Et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Il n'y a rien de meilleur qu'un repas préparé par un elfe de maison. Vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ses pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicholas. Que se passe-t-il? J'en suis navré. Je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités été. Pour chasseurs sans tête? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ses pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux! Vous ne le regretterez pas. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ramset. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Chouka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien? Sir Nicholas, et une jeune personne, que faites-vous ici? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement, même si je crois savoir? C'est Richard Chouka. Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Non. Quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'a porté cet exquis présent putréfié. Sœur, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous, je vous prie. Sœur Nicholas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais sœur, je... Nous ne sommes pas les chasseurs, sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie.
Au revoir, mon jeune ami. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Ah, la sensation du vent soufflant dans mes cheveux. Enfin... Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Ma vie mortelle n'avait jamais été aussi distrayante. Qui sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles ? C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider ? Ah, vous n'êtes pas avec Sir Nicholas. Où est-il passé ? Pas du tout. Je dois parler à Richard Chouka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais... si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas ? Vous pourrez parler à Chouka, si vous trouvez sa tête parmi ses citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous? Si c'est la condition pour parler à Chouka, alors je le ferai. Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Allez, lancez des sorts jusqu'à ce que vous le trouviez. Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Non, peu importe donc ça. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier. Tenez, je devais tout s'agager sur le calme. Il y en a plus.
Avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même que des félicitations sont de mise. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Non. Sir Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait la moue en entendant le mot « cadavre ». Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? Qu'est-ce que je vais trouver dans la grotte? En plus de mes restes mortels? Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mais quel genre d'aventure serait-ce là si je vous gâchais la surprise? Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvés alors qu'ils saccageaient la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. J'ai besoin de ces pages, donc je ferai mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Tom Frey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt.